Bafra, gros bonjour à tout le monde. Merci parce que vous avec l'équipe TV Caraïbes et puis Bombard de police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Jodi an pou l'invite avec directeur général police nationale d'Haïti, Nomil Ramon, non bureau ONA. Mais avant de faire ça, équipe TV Caraïbes, je veux remercier tout le monde qui est toujours branché TV Caraïbes pour information pays. Et un gros remerciement avec ça. Toujours qui ton commentaire pour nous, positif ou bien négatif. Ici, dans Bombard de police, équipe TV Caraïbes, nous apprécions ça. Et si c'est la première fois visiter nous, information nous partager ou intéressé ou, pas oublier abonner avec TV Caraïbes et puis ouvrir chaîne notification. Hein? Ça permet de faire partie équipe notification TV Caraïbes. Eh bien, nous pas perdre du temps, nous déroulé avec information yo. En nous, directeur général police nationale d'Haïti, Nomil Ramon, rendu visite dans le bureau ONA, dans le cadre lancement officiel ONA Police. C'est information ça nous porter pour nous pas perdre du temps, nous commencer coulier. Dynamique ONA Police là, l'a commencé aujourd'hui. Et étant donné que le directeur général là, c'est le premier des policiers et c'est le premier aussi à être concerné et par cette situation. Et voilà, il était obligation pour lui pour te rencontrer le directeur général là, venir dans le siège central et ONA. D'abord, vous êtes capable d'enquérir le déroulement processus là et est-ce que l'a bien déroulé et ensuite est-ce que toutes les mesures de sécurité sont prises et tant qu'on lui demande pour tout directeur départemental, pour tout directeur central, et prend des mesures de disposition pour permettre à ce que le processus d'inscription ça et passe très bien et à travers les 10 départements géographiques du pays, sans façon que et pour les policiers capables d'arriver, jouir de pleinement de droit ça, et Capral, dans une certaine mesure, ou encore dans une très large mesure, gagne un impact et positif non seulement sur la vie privée, mais sous vie professionnelle, et dans ce sens-là, j'étais présent jeudi à dans le siège central ONA dans Delma 17. Voilà. Alors, observation, est-ce que lui montrer que il y a un policier qui manifestait engouement et pour venir signer non, dans le cadre de service et qui lançait pour capable changer la vie policière? Et certainement, son initiative que grande majorité de police là, ou bien en pile police est d'apprendre, et si je crois que chiffre qui est déjà disponible dans le siège central, ça est seulement. Et 100 policiers déjà inscrits, ou bien sauver plus d'une centaine de policiers volontairement et manifester intention et de fait ils ont venu ou inscrit. Et pas oublier que le processus a commencé sur 10 départements géographiques et pays, étant donné que là, ça c'est le siège central là, directeur à Devine là, et pour être capable d'enquérir de situation, pour être capable d'informer de situation, pour voir qui est meilleur et mesure qu'il est capable d'adopter et pour permettre que le processus ça a fini et le 25 avril et arriver bien déroulé et que pour non seulement les policiers comprennent et dynamique question mais ouais dans quelques jours toutes conditions réunies et pour être capable de souvler je vais pleinement droit ça et on demande que le directeur général là et le directeur général de la police là fait directeur général ONA c'est que dans le siège central là pour la police gagne côté un espace et qui essentiellement est réservé à la police et qui essentiellement occupé de policiers et les policiers viennent et quelle que soit transaction et ils viennent faire un guichet et qui réservé essentiellement pour eux et ça arrive fait sous demande directeur général là à directeur ONA qui pas de temps pour accepter et comprendre des matchs ça voilà et bien dernier message c'est que cadre ONA de proposer des séances de sensibilisation et des séances de formation, si vous voulez, et à tout policier. Et c'est des séances que vous avez trié des chefs d'unité et que vous avez expliqué aux dynamiques, que vous avez expliqué aux bien fondés et des matchs. Et dès vendredi fin de semaine, ça et y a commencé dans l'académie, il y a une note et cap sorti qui vous permet que les policiers comprennent à quel moment et sont capables d'aller. Nous encourager les policiers qui manifestent volonté et pour participer dans la démarche ça. Mais pas oublier Jean-Mabdoula, c'est une démarche volontaire, il n'y a pas imposé personne policier li. Donc c'est un policier qui comprend la réalité, donc il vient inscrit, donc nous encourager pour continuer à faire ça. J'ai été annoncé récemment dans la dernière rencontre que le président a gagné dans le palais avec le directeur général ONA et ministre finance et quelques autres dignitaires de gouvernement qui étaient là, qui étaient demandés pour que y ait des mesures qui prend pour les policiers particulièrement et dans ONA pour que y ait des assurés volontaires.
Il faut que nous disions que le programme on a, la police, c'est un programme qui a concocté depuis quelques temps, particulièrement depuis l'année dernière. Depuis Mkadio, 22 février 2019, il y a eu une grande séance de travail qui était faite autour de produits ça, on a police pour que nous permettent policiers et qu'on aille mieux, de meilleurs services qui offrent à eux-mêmes. Et c'est ça que fait, nous avons pensé avec le programme ça, on a police qui est un programme d'assurance volontaire. Donc, c'est-à-dire que les policiers, on connaît que ils ont bénéficié que les pensions civiles, okay? Mais nous-mêmes, dans ONA, et d'habitude, assurez-nous, c'est des mounes qui fait partie de privé. Okay? Donc, c'est ça que fait, et nous pensons que nous sommes capables d'accueillir pour venir des assurés volontaires. Ce n'est pas un programme d'assurance obligatoire, son programme d'assurance volontaire, côté que policiers au Cavini ont participé la dernière pour bénéficier de tout avantage que l'institution a offert à assurer qui fait partie de programme d'assurance. Donc c'est comme ça, et nous offrons le programme à eux-mêmes, de manière pour que les policiers aussi, vous voulez, comme ça, ont bénéficié de deux assurances dans vieillesse, et pension civile là, et assurance vieillesse ONA, qui c'est une assurance volontaire que intégré. Donc, je dis, on est capable de remarquer, les policiers ont défilé en nombre, c'est un véritable succès. Ils répondent présent pour que ils participent dans les programmes ça qui c'est Onapolis qui est concocté pour eux. Notamment, est-ce qu'on a un chiffre d'inscription et au nombre de combien de policiers qui inscrit, je dis? Jusqu'à maintenant, là, il y a des policiers qui a inscrit toujours, et de cadeau de 8 heures à 4 heures que le poil fait là, c'est des centaines de policiers qui défilaient dans Delma 17. Et sans compter dans d'autres villes de province, il y a des cinquantaines, des vingtaines qui passaient dans différents bureaux, qui passaient inscrits pour qu'ils rejoignent, pour qu'ils intègrent le programme d'assurance ONA. Le mois février, il y a un ensemble d'activités qui ont déroulé sous moi ça. Il y a une campagne de sensibilisation qui était organisée par un groupe d'inspecteurs généraux dans les commissariats, sous-commissariats et les unités spécialisées à travers la zone métropolitaine. L'inspection générale, disons, l'inspecteur général en chef là, Thérèse Héroux, une importante délégation du département d'État américain, le 11 février dans l'inspection générale. Et maintenant, on a passé directement dans l'ensemble statistique des activités que l'inspection générale a menées pendant le mois de janvier et le mois de février. On dit qu'on a présenté deux mois, on a fini par janvier et puis on a enchaîné avec le mois de février. L'inspection générale a gagné 91 enquêtes qui étaient ouvertes. A gagné 58 plaintes de recevoir. A gagné 30 rapports internes de la PNH de recevoir. Et l'inspection générale t'a saisi, t'a fait saisir d'office sur trois dossiers. Comme nature des dossiers qui en cours de traitement, on a d'abord pris ça qui paraît beaucoup plus gros. Par exemple, nous gagnons une dette qui c'est 10, nous gagnons refus de prendre soin qui c'est 10, nous gagnons menace 11, nous gagnons perte d'âme qui c'est 18. Donc, au total, ensemble de dossiers, ça y est, je sais 91. On a gardé avec maintenant graphe représentatif des dossiers en cours. Nous avons vérifié que nous gagnons dette, nous gagnons perte d'âme, menace et refus de prendre soin. C'est 4 pics qui sont beaucoup plus haut dans le graphe ça. Et maintenant, on a avancé dans l'ensemble d'actes d'enquête qui est réalisé pendant le mois de janvier. Gagné 188 convocations qui lancées, gagné 167 auditions qui faites entre plaignants et mis en cause, gagné 18 confrontations, 39 déplacements, 7 médiations, 29 invitations et gagné 21 retention de chèques, gagné 15 mesures conservatoires, 17 levées de mesures conservatoires. Deux, isolement. Isolement, ça y est, c'est pour, premièrement, détention illégale d'armes à feu et complicité d'évasion. Gagner quatre levées d'isolement, un déferment et six désistements,
et attestation, c'est 5. Ça donne un total de 19 dossiers d'enquête, disons-le, qui est réalisé pendant le mois de janvier. Maintenant, pour l'apport d'enquête qui est signé et expédié au DGPNH, il est au nombre de 31. Ensemble, d'acte d'enquête SAO, des faits inspection générale recommandés, fait des recommandations à l'inspection générale. C'est premièrement, nous gagnons 3 suspensions, nous avons une demande, 2 paiements, 2 coups de larmes, 19 classements. Nous voulons faire une petite mise au point sur le classement. C'est lorsque nous avons une enquête qui a traité dans l'inspection générale et que l'enquêteur n'a pas joint aucun fait qui prouvait véracité des allégations. De fait, l'enquêteur a juste classé le dossier. Toutefois, il a informé plaignant ou bien plaignant de qui décision l'inspection générale prend. L'inspection générale a profité, félicité tout policier qui, au bout de 2 mois, a eu un comportement correct, qui a respecté consigne au commandement et code déontologie policière. Et la demande de continuer à soumettre l'ancien. Et la demande de tout l'autre policier pour suivre le comportement sale. Pour qu'il soit capable plus efficient dans le cadre de travail qui est protection des vies et des biens. Moi, effectivement, je pense que c'est parce que pendant que gagner sanctions négatives, des sanctions positives, tout. C'est normal si l'inspection générale recommande des sanctions pour les policiers qui ont un mauvais comportement, mais si là, il y a de bons comportements, nous apprécions et félicitons dans cette affaire. Voilà. Équipe Tivika et Bladi, merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier pour nous abonner avec chaîne. C'est TV Caraïbe. Et toujours songez pour activer la petite cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable jouer nous. Son babis à chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde. Une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.